D'accord, c'est un lion. Ça tranche. Hein. Un, deux, trois. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Pour cette édition 2022, pour fêter cette année avec cette première émission, on a voulu faire pour vous un nouveau format avec un peu moins de philosophie, plus de concret, plus de cas qui concernent nos réalités, nos vies du quotidien. Et on va tenter d'imaginer le monde dans lequel nous pourrions véritablement vivre libre au-delà des sentiers battus. Imaginez ce monde dans lequel le handicap, l'école, la justice, la politique, l'environnement, l'écologie, la planète pourraient être envisagés dans un vivre libre qu'on construirait ensemble. Nous allons en voir quels sont les défis pour y arriver et surtout par où commencer. Les acteurs qui vont intervenir, bien entendu, sont des personnes qui ont travaillé sur le sujet, qui parfois en ont souffert. Ils ont du vécu. Je vous permettrai de pouvoir les rencontrer et j'espère que vous aurez les uns pour les autres de l'affection, de l'estime et de l'amour. Nous allons commencer cette émission avec notre tout premier invité qui s'appelle Xavier Fontaine. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, ça va bien, Fanzan. Ah super. Xavier, toi, comment tu te définirais? Pour te présenter à notre public. Dure question. Alors, moi, je suis dans une association qui s'appelle Les Révoltés du 974. Après, c'est sûr que c'est pas ce qui me représente, hein, mais c'est ce que je fais actuellement et ça me prend beaucoup de temps. En fait, on dénonce des dysfonctionnements administratifs et judiciaires. Donc, nous, on a des adhérents, c'est des gens comme nous qui se retrouvent au tribunal et qui sont condamnés par la justice. Victime dans la vie et condamnée par les tribunaux. Donc ça engendre beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension aussi. On est censé être dans une société qui nous protège. Qui est juste. Qui est juste. Un état de droit où le droit protège les gens. C'est ça. Et parfois on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire le droit est là, le juge est là, mais il juge mal ou pas la bonne personne. Exactement. Et en plus, sans vouloir jeter l'opprobre sur aucun juge ni juriste. En plus de ça, on n'a pas le droit de se plaindre. Quand on fait des manifestations et tout, il faut qu'elles soient déclarées. On est soumis aux verbalisations. Là, le contexte Covid ne nous pardonne pas non plus. Hein. Si on a des flics zélés, on se prend des amendes. Il y a la loi du silence qui se fait de plus en plus dure, c'est ça? C'est pas forcément la loi du silence. C'est qu'on s'aperçoit avec le contexte Covid que, en fait, c'est de plus en plus dur de manifester et de dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut lancer une révolution ou quoi que ce soit. Hein. Juste dire qu'on est... Qu'on a un désaccord. Qu'on a un désaccord. Parlons-en. Qu'on voudrait en discuter. Le mieux, ce serait qu'on résolve nos problèmes. Et quand vous en discutez, est-ce que vous arriviez à en discuter en profondeur ou facilement? Ou alors non, on vous demandait de rester à la surface et vous étiez restreint qu'à certains médias? Alors, par rapport à notre association, on a envoyé beaucoup de courriers qui sont restés sans réponse, ou alors on a des réponses de nos interlocuteurs qui sont assez lisses ou qui ont un langage institutionnel. On essaie de nous balader, de nous tourner en rond, nous tourner en ridicule. Et au final, le temps passe. On se retrouve face à la justice avec des délais de prescription qui s'opèrent, plein de choses comme ça. Et des vies qui sont chamboulées, parfois totalement détruites. Sans même vouloir faire la victime, il s'agit bien de véritables, on va dire, catastrophes familiales. Ça peut créer des ruptures familiales. Ouais. Et aujourd'hui, avec toi, sur cette première émission, on s'était dit qu'on allait parler du vivre libre dans le cadre de la justice. Oui. Pour commencer, à quoi ressemblerait pour toi un monde dans lequel la justice serait dans un vivre libre? Des gens qui vivent libres, comment serait la justice dans ce monde? Alors, moi, je ne prône pas la télésurveillance ou le flicage numérique. Mais moi, je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On a tous ça en nous, la morale. On sait ce qu'on fait, c'est bien ou c'est pas bien. D'ailleurs, souvent,
pour faire nos petites bêtises, on se cache, hein, on cachette, on fait parce nos... qu'au fond, on sait que exactement. Il y a un truc pas juste, quoi. Il y a un truc qui va blesser quelqu'un, quelqu'un va avoir du mal. On le montre pas à tout le monde. C'est ça. Et donc voilà, moi je pense que les gens sont assez intelligents pour faire la part des choses, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais après, il faut qu'ils se disciplinent en se disant peut-être que si je fais quelque chose de mal, ça aura un impact sur quelqu'un d'autre. Mmh. Donc je suis pas sur le flicage, comme je disais, hein, vidéosurveillance, etc. Mais moi je souhaiterais que la justice, elle soit dure, mais qu'elle soit claire. C'est-à-dire ce monde où on vit libre serait un monde dans lequel il y a une clarté, il y a c'est une ça. Transparence de la justice. Et dans ce monde, comment cette transparence est représentée? Parce qu'en fait, dans un monde idéal, c'est comme ça que ça doit être. Ouais. La justice, en fait, elle doit être claire. Mmh. C'est-à-dire que quand on annonce une décision de justice, elle doit être comprise par tout le monde. Parce que la loi est faite pour les gens. C'est ça. Et non pas pour quelques initiés qui comprennent le langage. Elle est annoncée, la justice est annoncée au nom du peuple. Mmh. Sur chaque jugement, il y a marqué « au nom du peuple ». Après, il y a le juge qui fait son petit résumé, mais bien souvent, c'est un langage qui n'est pas compris. Et quand je parlais d'une justice qui soit stricte, c'est-à-dire que quand on est au tribunal en tant que victime ou en tant que coupable, parce que ça peut nous arriver d'être coupable, hein, parce qu'on a enfreint la loi, normalement, on devrait assumer ses erreurs. On devrait savoir, la loi, elle dit ça, alors la loi, elle doit être appliquée. Mmh. Et en réalité, il y a vraiment un flou dans la vie, c'est qu'on se retrouve là aujourd'hui, nous les adhérents des révoltés de 974, à être condamnés, alors qu'en fait, on est censé avoir raison. Mmh. On est censé avoir raison, on est dans une posture de victime, et finalement on est condamné soit à des amendes, soit à payer nos bourreaux. Mmh. Et c'est en ça que je dis que la justice, elle doit être claire. C'est-à-dire que quand la loi le dit ça, voilà, la sanction qui s'applique, c'est ça. Il semblerait que la loi, dans ce monde où on vit libre, elle peut protéger le faible. Elle devrait. Elle peut contraindre le fort. C'est-à-dire le fort a l'argent, il a le réseau pour pouvoir payer les meilleurs avocats, voire même les juges dans certains cas. Mais le pauvre n'a pas ça, et la loi pourrait permettre, dans ce monde idéal, de protéger. Ce serait, tu dis aussi, un monde dans lequel donc, on se base, avant de se baser sur la loi ou sur le numérique, le digital, pour nous surveiller, on se base d'abord sur le sens moral intrinsèque à l'humain lui-même. Bah, c'est-à-dire la conscience qu'il a de ce qu'il fait peut faire du mal ou du bien. Bien sûr, bah, la bienveillance avant tout. Parce qu'en fait, le but de la justice, c'est que c'est le juge qui doit mettre tout le monde d'accord. On a épuisé tous les recours, la médiation, la discussion, la médiation, des protocoles d'accord ou autres entre les parties. Et le juge, en fait, il intervient parce que les parties ne sont pas d'accord. Et bah, il s'avère que bah, le juge est surchargé parce qu'il y a de plus en plus de recours en fait devant les tribunaux. Et ce qu'on peut peut-être penser, c'est que le juge est blasé. Il voit tellement de choses qu'au final, bah, il juge comme ça, sans réelle humanité ou compassion par rapport aux victimes. Parce que est-ce qu'on a établi par exemple pour un juge quelle est la quantité de choses à juger qu'il peut juger sans en souffrir, en fait. Parce qu'il est possible que quand il y a un goulet d'étranglement dans la justice, qu'il faut juger des centaines et des centaines de cas, à un moment donné, notre capacité de jugement, même en tant qu'humain, il arrive à sa limite. Oui, pas bien sûr. Même si le juge n'est pas corrompu. Il y a même une étude scientifique qui a été menée pour montrer que les juges qui ont mangé avant le jugement offrait des jugements plus simples, plus doux. Oui, c'était en rapport avec le taux de sucre dans le sang du juge. Oui. Et donc c'est un humain, c'est pas une machine. Donc si on traite un humain comme s'il devait traiter des affaires comme si c'était une machine, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, ben je sais pas, sur 1000 cas, sur 1000 jugements, il va en avoir 2 ou 3 qui vont arriver dans votre association. Peut-être. Il est possible que la justice fonctionne très très bien, mais que voilà, et puis mais il y a 2-3 cas, les
on va dire, les effets secondaires graves de la justice, du fait des fatigues, tout ça. Mais tout ça a été pris en compte dans le processus qui nous a mené à avoir une vie libre dans la justice, au fond. Mais d'ailleurs, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, les magistrats sont mis en grève. Alors, ils ne mettent pas en grève souvent, hein. Et ils sont mis en grève récemment, et en fait, ils demandaient aux législateurs de quantifier justement combien de temps ils doivent passer sur les affaires, combien d'affaires ils doivent traiter, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils sont surchargés, sans vouloir prendre leur défense, hein. Mais il faut prendre tous les éléments dans leur globalité pour pouvoir juger de la justice, en fait. Bah bien sûr, c'est même pas... Et on va leur dire, mais ils gagnent beaucoup d'argent, mais il faut voir quelle est la capacité d'un humain. Par exemple, un chauffeur poids lourd, il a un disque, on sait combien il a conduit. Il ne peut pas conduire au-delà, parce qu'au-delà, on sait que les capacités physiques sont telles qu'il va se mettre en danger lui et les autres. Et si ça n'existe pas, pour quelqu'un qui a une telle responsabilité comme un juge, un magistrat, on est dans du délire. Même pour d'autres responsabilités, même les avocats. Quelle est la quantité d'affaires, quel est le temps qu'il pourrait y passer, tout en restant efficace, tout en restant humain, tout en restant juste. Donc, il en est ressorti quoi? Ils ont fait cette demande et... J'ai pas trop suivi. Si vous êtes magistrat et que vous en connaissez, si votre papa ou votre maman est juge, si vous êtes procureur de la République, qui sait, et que vous avez entendu parler de cette étude, on veut bien les accueillir sur ce plateau pour en parler, approfondir le sujet. Alors, je veux dire aussi qu'il y a une réforme de la justice en ce moment. Donc, oui. Le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, oui, a lancé, oui, il a lancé une grande, grande enquête pour une réforme de la justice, de l'instrument judiciaire. Et donc, on était dans une... Assemblée générale d'une association un petit peu comme nous. Bon, ils font pas exactement la même chose, mais en fait, ils critiquent la justice. Ça s'appelle Enquête de justice. Donc, c'est des gens comme nous qui sont victimes et condamnés. Ils font pas la même chose que nous, c'est-à-dire que nous, on est dans la dénonciation, on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, on délie la parole. Oui. On détaque la langue. C'est ça. Comme on dit à La Réunion. C'est ça. Et donc, le premier constat qu'on avait sur cette réforme de la justice, c'est que souvent, on demande aux professionnels de la justice leur avis. Qu'est-ce qui cloche, en fait, dans la justice? Moi, je suis d'accord, mais c'est un langage, c'est un langage que nous, on ne comprend pas. Si on souhaitait participer, nous, en tant que citoyens ou en tant qu'usagers des services de la justice, c'est difficile pour nous d'intervenir. Donc voilà, on est souvent exclus, nous. Et du coup, l'association dont parle le légendaire Dupond-Moretti, hein, qui a réussi à faire acquitter les criminels du Charlie Hebdo, je crois, ou de l'hypercachère. Je sais plus, ouais, mais L'affaire Mera, il avait défendu Mera, ouais. Et sa famille, et aussi les criminels de l'affaire Dutrot. Il a réussi à faire acquitter. En fait, c'est les principes de la justice, c'est que tout le monde a un droit à un avocat, tout le monde a un droit à une défense. Mais malheureusement, après, c'est notre morale qui en prend un coup. Parce qu'on est d'accord, tout le monde a droit à la présomption d'innocence. Mais si des gens s'ils sont coupables, ils devraient être condamnés. C'est ça. Comment on arrive à faire acquitter malheureusement, quelqu'un qui a violé des enfants, par exemple. Non, mais malheureusement, quand le juge a tapé son marteau, il y a quelque chose qui s'appelle l'autorité de la chose jugée. On ne revient pas dessus. Ah ouais. Ouais. Sauf si on fait appel, on escalade. Et bien souvent, on pense que la cassation, c'est le dernier moyen. Et il dit qui a tort, qui a raison. En fait, la cassation, elle s'occupe de regarder la forme. Est-ce que ça s'est bien passé? Ils ne vont pas regarder le fond. Ils ne vont pas regarder si la personne est coupable ou innocente. Ils vont regarder si la procédure s'est bien déroulée. Oui, si on a bien suivi le procédure judiciaire qui est prévue pour en arriver là. Et si c'est pas bon, on regarde à nouveau les dossiers. Mais si c'est bon, on laisse passer. Alors c'est intéressant ce que tu dis. D'abord, pour défier le marteau du juge, faut faire appel, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Après, c'est quoi? C'est un deuxième appel avant d'arriver en cassation? C'est quoi le processus? On devrait faire appel sur la base de nouveaux éléments. Oui.
Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais normalement, on devrait pouvoir faire ça. On ne devrait pas escalader tout de suite et partir en cassation. Mais malheureusement, des fois, ce sont des stratégies, parce qu'en fait, on a des délais pour agir. C'est-à-dire qu'après une décision de justice, il faut qu'on soit notifié de cette décision. Et à partir de là, il y a un délai qui court. D'accord. Si on n'a pas... Dans le délai de 15 jours, par exemple. C'est terminé, on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. L'autorité de la chose jugée, c'est comme ça que ça s'appelle, elle prend effet et c'est irrévocable. C'est le cas de nombreux chefs d'entreprise, par exemple, qui reçoivent des huissiers chez eux, mais il fallait qu'ils répondent dans les 15 jours pour pouvoir éviter ça ou le reporter ou l'amener à un autre tribunal comme le tribunal administratif, le TASS. Oui. Voilà. Tribunal de sécurité sociale, la sécurité sociale. Ouais. Et ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas répondu dans le délai des 15 jours. 15 jours, c'est court. Quoi. Ah, bien sûr. Surtout quand on reçoit le courrier une semaine trop tard. alors, en fait, c'est ce qui nous amène à parler des règles. C'est-à-dire qu'il y a un règlement. C'est normal, il y a un règlement. Sinon, si tout le monde faisait comme il le souhaitait, ce serait le bordel total. Ouais. En réalité, il y a des règles. Et moi, je trouve que... C'est l'une des injustices de la justice, c'est avant tout les délais de prescription. Les délais de prescription et les délais pour agir. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un commet un crime, il y a un délai de prescription. Si on ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas l'inculper de ce délit si on a passé un certain temps. Alors ça, c'est fait pour éviter que des gens soient rattrapés par leur ancienne vie. Si c'était des délinquants notoires qui se sont rangés, qui puissent échapper à des condamnations. Parce que le but de la justice, c'est pas de condamner et frapper fort. C'est de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que on va sanctionner quelqu'un parce qu'il a créé un déséquilibre dans la société. C'est pas forcément par rapport à l'impact qu'il a sur une victime. D'ailleurs, les victimes sont pas réparées et les décisions qui sont rendues ne réparent pas la victime. D'accord. Oui, parce que c'est là pour juger un événement à un instant. Et selon toi et selon vous, il faudrait revisiter les règles, les délais de prescription, mais aussi les délais, tu as dit. Les délais pour agir, en fait. Pour agir. Ouais. Délais pour agir. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais oui. Mais on va vérifier, c'est-à-dire au fur et à mesure des émissions et des relations qu'on va avoir avec ce domaine-là de la justice, on va approfondir pour voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place et par où commencer. Toi, tu as pas mal d'anecdotes là-dessus. Ouais, mais il y en a une dont tu me partageais tout à l'heure. Oui. Mais je te laisse parler, je te laisse l'exprimer. C'était quelle anecdote, justement ? C'était par rapport aux logements sociaux. Oui. Donc, qu'il y avait des gens dont le terrain avait été pris pour construire des logements sociaux. Oui. Mais ça n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Et maintenant, le jugement les pénalise et favorise ceux qui ont réalisé des erreurs éventuellement. Oui, donc en fait, c'est... De façon succincte, si tu voulais me l'expliquer. Comme ça, on a un exemple concret d'injustice. Ça va être difficile de... T'as 5 minutes. D'accord. donc en fait, j'ai parlé d'une ville. Donc dans cette ville, en fait, il y a un contrat d'objectif foncier. Donc du coup, on réalise un certain nombre de logements sociaux en relation avec la préfecture. C'est la préfecture qui impose un certain nombre de logements sociaux. C'est par rapport à la taille de la ville, les habitants, nombre d'habitants surtout. Les conditions de vie. Oui, ça s'inscrit dans une politique de cohésion sociale, etc. etc. Et donc, la commune, comme toutes les communes de La Réunion, sont imposées à ça un contrat d'objectif foncier. Donc la commune ramène un certain foncier, donc la... en l'occurrence, 8,6 hectares de foncier, ça fait 86 000 mètres carrés, c'est beaucoup, hein, pour construire à peu près 700 logements aidés. D'accord. Donc c'est des logements aidés. D'accord. Ça veut dire qu'à chaque logement construit, il y a un abondement. La préfecture, elle donne à peu près 30 000 euros par logement construit. Donc c'est une démarche volontariste. Ça veut dire que la commune n'est pas obligée de le faire. Mais si elle le fait, il y a des aides. Y a des aides.
Il s'avère que là, la commune elle a construit 150 logements sur 700. Mmh. Et ensuite arrive une opération de résorption d'habitat insalubre. Mmh. Donc là, on va essayer de référencer... des habitats qui sont insalubres, dans lesquels on ne peut pas vivre. Alors, En faisant une zone dans laquelle il y a des logements qu'on estime être insalubres. C'est ça. Donc en fait, on estime qu'ils sont insalubres parce qu'en réalité, c'est juste en surface qu'on estime qu'ils sont insalubres. On ne va pas toquer, regarder, etc. On ne sait pas comment les gens vivent. Ouais, c'est ça, on ne sait pas comment les gens vivent. Mmh. Mais ces maisons qui sont un petit peu vétustes... Normalement, elles sont inhabitées, tu me disais. Oui, bien souvent, elles sont inhabitées, ou alors c'est des gens qui sont âgés, qui vivent dedans depuis des décennies, et ça n'a jamais dérangé personne. Mmh. Et là, aujourd'hui, on va... Personne ne les connaît, personne n'est allé les voir, il n'y a pas de services sociaux qui sont allés les visiter. C'est ça, ouais. Donc, pour moi, il y a des carences déjà au niveau de l'État. D'accord. Et donc, il aurait été intéressant d'aller voir au cas par cas, plutôt que prendre une politique générale. Le problème cas par cas, c'est que ça prend du temps. Mais en réalité, cette opération de résorption d'habitat insalubre, elle a un motif de production de logements sociaux. D'accord. Donc en réalité, c'est un prétexte, en fait, les habitats insalubres. Mmh. Donc on est censé reloger les gens dans des logements neufs, dans des habitations neuves, et récupérer le terrain de ces personnes-là. D'accord. Et grâce à la loi Letchimy, donc c'est un député martiniquais qui, à tort ou à raison, a fait cette loi pour réquisitionner des propriétés non bâties. Mmh. Donc des terrains où il n'y a rien dessus. Donc souvent, c'est de la friche. Mmh. C'est des herbes qui poussent, Donc là, où vient l'injustice à ce moment-là? Raconte-nous. L'injustice, c'est que nous, on est jugés pour récupérer nos terrains, parce que nous, on est des mauvais propriétaires. On n'est pas des gros bâtisseurs, comme on attend de nous. Nous, on a des terrains, on est censé être riches et faire prospérer la terre. Mmh. Donc du coup, on vient nous réquisitionner nos terrains pour faire des logements sociaux. Mmh. Mais en réalité, la ville, en fait, ne souhaite pas faire du logement social. Mmh. Donc là, pareil, même constat. À la fin de l'opération, on a construit 150 logements sur les 700 en ayant récupéré 12 hectares de foncier. Ça fait 120 000 mètres carrés. De particuliers, c'est-à-dire de gens qui étaient propriétaires au départ. Qu'ils le veuillent ou non, de gré ou de force, ils doivent le céder. Oui, ils doivent le céder au nom de l'utilité publique. Qu'ils soient ou non dans une situation insalubre. C'est ça. Et donc, ce qui est un petit peu cocasse, c'est que moi, mes parents, ils étaient en métropole. Comme beaucoup de Réunionnais, on est partis en métropole dans les années 70, pendant les années Bumidome. Et donc, mes parents, ils sont revenus parce que mon père était malade. Mmh. C'était aussi un petit peu l'âge de sa retraite. Donc, vous étiez là-bas et cette affaire-là arrive. Ouais, elle arrive. Et donc, du coup, on s'en est occupé. Mmh. Et en réalité, on est l'une des seules familles qui s'est battue. Mmh. Et là, aujourd'hui, le bailleur social nous rétrocède nos terrains dans une volonté d'apaisement. Mmh. C'est sûrement aussi parce qu'elle est prise dans des affaires judiciaires. Mmh. Et donc voilà. Et pour en parler des bailleurs sociaux, il s'avère qu'elles sont toutes en déficit. Mmh. Et en réalité, elles participent au clientélisme des maires. Oh. C'est-à-dire que les maires, eux, siègent dans les commissions des bailleurs sociaux et ils peuvent attribuer des logements aux gens, gens qui connaissent ou pas, gens qui pourront voter pour eux en tout cas. Mmh. Et il s'avère que c'est stratégique, le logement social, parce qu'il y a un groupe qui vient de métropole, c'est la Caisse des dépôts Habitat, SNI je crois. Et donc, ils veulent mettre la main sur tous les bailleurs sociaux de La Réunion. Mmh. Et donc, étant donné que ce grand groupe deviendrait majoritaire au sein des bailleurs sociaux, donc les élus perdraient la main sur leur capacité à distribuer des logements comme ils le souhaitent. Merci beaucoup, Xavier. Mmh. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Elle sera à suivre pour vivre libre. D'accord.
chant. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus.